un expert en thé et lui s'il n'y a pas de thé, on a du mal. Avec le devis, toujours en détente. Si aussi c'est le jour de finale des législatives, c'est aujourd'hui. Allez, pointe de pied, j'arrive au bout. Mépris pour les idiots. Moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Je vais te dire. Fini, allez! Aujourd'hui, on est au cœur du club de foot de Villeneuve-la-Garenne qui va disputer un match très important pour terminer sa saison. Une saison qui est déjà réussie puisqu'ils sont déjà champions de départemental 1. Ils monteront en régional 3. Mais en plus, petite cerise sur le gâteau, pour terminer la saison, ils ont l'occasion de remporter la Coupe des Hauts-de-Seine qu'ils disputent dans quelques heures face au Neuilly Olympique. Tout le groupe, le staff et les joueurs ont rendez-vous juste derrière là-bas dans cet espace pour pouvoir manger ensemble et passer un moment convivial avant d'attaquer les choses sérieuses. On a rendez-vous avec Mehdi, l'entraîneur de Villeneuve-la-Garenne et son groupe. Allez, venez avec moi, c'est parti. Là où on mange, on se retrouve un peu et on discute, après il y a la causerie. Et après, on va tous ensemble pour le match. Ça va ? Ah, c'est notre accompagnement de la journée. Exactement. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va ? Ça tu quoi ? Allez, ça. Et toi ? Bien ? Bonjour. Bonjour, ça va ? Zacharie, enchanté. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, merci. Merci de m'accueillir. Bah, bienvenue à toi. Y'a quoi au menu aujourd'hui ? Ah, menu. Donc café, thé, jambon d'Inde, un peu de fromage, ils font des petits sandwichs avec jambon d'Inde, des fruits, toujours important, du riz au lait et du jus, petit verre de jus. Enfin, un vrai menu de sportif avant un match important comme ça. Exactement. Bon, en vrai, de vrai, c'est avant tous les matchs en fait. On a fait ça toute l'année donc. Un peu habitué. Merci Mehdi de m'accueillir. Bah, merci à toi de nous prêter cette attention. Bon alors ça fait un petit moment que cette étiquette me posait problème, mais vous inquiétez pas, depuis j'ai pris les choses en main, et après une lutte acharnée, j'ai réussi à régler le problème. Cette saison ça s'est plutôt bien passé, parce qu'on est champion déjà, on est champion du département. On est arrivé premier, on a joué notre dernier match contre le deuxième, et c'était une sorte de finale. Donc on va dire c'est deux finales en deux semaines. C'est une équipe, j'ai vu, qui vous a posé quelques problèmes cette saison, Neuilly. Exactement, c'est la seule équipe qu'on n'a pas battue, qu'on n'a pas réussi à battre cette année plutôt. Donc effectivement, c'est une équipe qui nous pose pas mal de problèmes. Maintenant, voilà, nous on arrive, eux ils n'ont rien à perdre, nous on arrive en tant que champion. C'est vrai que, on va dire, la pression est de notre côté, devrait être de notre côté. Maintenant, on va tout faire pour apaiser cette tension et apaiser cette pression. Quoi qu'il arrive, de toutes les manières, ça restera une bonne saison et ça restera une saison merveilleuse. On ne sait pas, c'est du foot, on ne sait pas ce qui peut se passer. Un but sur un penalty, un but sur un hors-jeu non sifflé, on ne sait pas. Mais quoi qu'il arrive, nous, on aura fait une bonne saison, on aura bien travaillé et on sera content. Alors on va dans la cuisine, c'est là que notre cher Zacharia. Un expert en thé, et nous, s'il n'y a pas de thé, on a du mal. On fait un peu tout avec le coach, on est obligé. On essaie de les mettre dans les meilleures conditions, donc on fait cuisinier, intendant, chauffeur, on fait un peu tout. C'est ce qui a permis de faire une bonne saison. C'est grâce à vous aussi, ouais. C'est surtout grâce à vous. C'est grâce à tout le monde. Surtout grâce à eux. Parce que vraiment, c'est un travail hors pair de la part de tout le monde. Bonjour.
l'hébergeur du district. On est en train de faire. Voilà, regarde, c'est pas grave. Je... Le meilleur gradeur du district, il est là. Mais vraiment, ça, je te le dis pas par rapport à... Avec le devis, toujours en détente. Je sais pas ce qu'il va dire. Bonjour. Bonjour. Je tiens à dire que ce joueur-là, bah, c'est notre meilleur buteur. Je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Marzou. La petite présentation, deux petites minutes. Donc déjà, t'as un préparateur physique. Il est là. Tout le temps. Il nous a permis toute l'année d'être... Il fait le chip, d'être de devenir bon et d'être là aujourd'hui. D'être bon, d'être... On a perdu des kilos grâce à lui. Ça, c'est vrai. Et je vais rajouter quelque chose. Vous pouvez regarder le dégradé. Ah, les minutieux. Un jour, wow. Bah, c'est à toi, Marcel. C'est lui qui fait tout. Hein. Et le jeu, il marque et il coupe en plus. C'est un génie. C'est son dernier match avec les seniors. Il passe vétéran juste après. C'est vraiment génial. Prends un petit mot devant la caméra. Je vous présente Silvias Moussa. 180 kilos au début de la saison. Je l'ai fait perdre. Combien ? Ouais, 90 kilos. 90 kilos, il est passé à 90. Et sinon, on l'appelle la couscoussière. Ah, vas-y les gars, s'il vous plaît. Vas-y, couscous les gars, s'il vous plaît. Vas-y, Marcel. Ça y est, les joueurs ont mangé, ils ont passé un bon moment convivial ensemble dans cet espace là, que vous pouvez voir qui s'appelle... La Fabrique, qui est donc un espace jeune réservé par la ville de Villeneuve. Les installations sont superbes, il y a de quoi de passer un bon moment. Vous avez vu hein, tout à l'heure, il y a baby-foot, il y a des raquettes de ping-pong, il y a des canapés, bref, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. On va partir dans quelques minutes direction le Plessis Robinson, mais pour l'instant, les joueurs sont aux causeries. Et comme d'habitude, hein, on les laisse un petit peu entre eux parce que c'est leur moment à eux. Je vous propose quand même qu'on aille faire un petit tour avec eux. Aujourd'hui, on rencontre Nuit. Comme je vous l'ai dit, Neuilly, adversaire coriace, parce que c'est la seule équipe, c'est avec le Racing, pardon, c'est la seule équipe qu'on n'a pas réussi à battre cette année. Donc, objectif aujourd'hui, victoire, prendre du plaisir et marquer l'histoire, notamment par un doublé, ce serait historique. Okay, et même pour vous, faire un doublé Coupe Championnat, c'est plus qu'honorifique. Limite, toute cette causerie, et là, ça va être important. Je vous le dis, c'est, là, c'est ça qui va être important. Tout le reste, c'est que du plus. Mais ça, ici, là, ce qui est écrit ici, ça va être super important. Pourquoi ? Parce que si on ne met pas l'intensité dans la récupération, on ne met pas les 5 secondes qu'on s'est dit, et si on ne reforme pas notre bloc, et si on n'est pas investi dans la récupération du ballon, ça va être compliqué pour nous. Ce n'est pas parce qu'on est champion du championnat que le match est déjà fini. Il est déjà gagné. Je vous le dis, faites preuve de beaucoup d'humilité. Mettez-vous en mode dernier match du championnat. Donc, venez, on va au Plessis en mode guéri. Ça a été cette causerie ? Top. Franchement, top. Il a donné pas mal d'infos et de consignes. Après, on va essayer de respecter ça. On attend quoi là ? Là, justement, il y a le minibus parce qu'on part tous ensemble. Dans le minibus et après ben let's go pour Plessis. Finalement c'est nous qui allons aller, c'est pas lui qui vient à nous. Ça va ? Ici aussi c'est jour de finale. Ça va, tu vas bien ? Ici aussi c'est jour de finale des législatives aujourd'hui. Ah, t'es chaud. Ma parole, t'es grave, chérie. Eh les jeunes, on s'assit, après on va démarrer là. Oubliez pas de mettre la ceinture s'il vous plaît. Ouais, la ceinture s'il vous plaît. On est arrivé au parc des sports. On va aller essayer de rejoindre l'équipe. En tout cas, il y a de l'ambiance. Si c'est comme ça pendant le match de Villeneuve-la-Garenne, ça promet une chaude ambiance.
T'as Benoît Bé. Karim Benzema. Benzema Karim. Ouais. Karim. T'es filmé, mec, Karim. Capitaine. On marque l'histoire et on annonce la prolongation du contrat. Bébé, on va partir là, là. Allez, point de pied, j'arrive devant. Non, sans regret, on sort d'ici sans regret. Allez, on donne tout, prenez des risques, personne ne va rien vous dire. Après, dans notre zone, on est plus simple. Parce que dans les 15 premières minutes, on met une équipe qui soit physiquement, nous, avec le ballon. Malheureusement, on m'a pas donné l'autorisation de suivre le match à côté du banc de touche. Bon, c'est normal, hein. Villeneuve n'est pas à domicile, on va s'adapter aux règles extérieures, il n'y a pas de souci. On est à quelques secondes du coup d'envoi. Mais il y a surtout une tribune là-bas, je pense que vous la voyez, qui est remplie de supporters de Villeneuve. Donc on va essayer de se joindre à eux. Pour l'occasion, hein, les joueurs de Villeneuve sont en jaune fluo, hein. On va pas se tromper. Ça y est, c'est parti pour la finale de Coupe des Hauts-de-Seine entre Villeneuve-la-Garenne et Neuilly Olympique. Allez Villeneuve!
Voilà, c'est la mi-temps, donc 2-1 pour Neuilly, le deuxième but là juste avant la mi-temps. Il fait vraiment très mal, mais bon, il reste 45 minutes, ils ont réussi à égaliser une fois, ils devraient y arriver une deuxième fois. Direction le vestiaire pour le discours de Mehdi. Michel, comme il a dit, à je sais pas quelle heure, on va faire des courses, comme si on était, comme si on était vos papas et vous, nos enfants, et on vous nourrit, etc. Et on vous met bien, et on vous câline, et on vous chagrine, et on vous met les maillots sur des seins, tout le truc, etc., etc. Et au final, nous, on est pris pour des idiots. Moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? On s'attendait à ça. De toute façon, c'est le match, c'est exactement le match auquel je m'attendais. Un match où ils vont rien jouer, ils vont nous prendre en compte. Et comme ils savent qu'on est un peu moins intelligent qu'eux, parce qu'en fait, on est beaucoup moins intelligent qu'eux, ils attendent des bons moments pour utiliser leur culpabilité, mettre de la conviction. Toutes leurs culpabilités sont dans le jeu. Pas qu'on est nul, c'est qu'on n'a pas envie. Je sais qu'on n'a pas envie. Mais dans ce cas, vas-y, il y a des mecs sur le banc qui ont la rage, qui ont la rage. Tout à l'heure, vous voyez les yeux à l'auto quand il a vu qu'il était sur le banc, il y avait une bête de rage. Là, on conforte dans ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Amine, pareil. Ils sont en train de vous manger, on vous dit au deuxième ballon, les gars, faites la présence au deuxième ballon, on n'y est pas. On dit, les gars, prenez pas de risque derrière. On en prend. On vous dit, tout ce qu'on vous dit, on vous dit, les gars, repli défensif, ultra rapide. On s'en fout. Eh, c'est trop. De l'extérieur, c'est trop. Mais, c'est malheureusement, quand j'ai écrit, les gars, humilité, faut vraiment se poser les bonnes questions. J'imagine que la déception doit être immense. Ouais, très déçu. Après, nous, c'était un bonus. Voilà, c'était la coupe.
sur ça. Nous, on avait fait notre saison. Après, je pense que c'était aussi dans la tête des joueurs. Les joueurs, ils s'étaient dit qu'ils avaient fait le boulot et aujourd'hui, on a manqué d'impulsion aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Oui, ouais. Comme tu l'as dit, ça c'était une cerise sur le gâteau. Le exactement, voilà, exactement. Le principal c'était la montée et là c'était la cerise sur le gâteau. C'était un bonus pour les joueurs et ils n'ont pas su le saisir. Après il y avait de la fatigue aussi. On a passé les tours de Coupe de France, on a passé les tours. On a joué des mercredis, des trucs. Donc c'était un peu. Puis tout le monde est content de bien aller en vacances là tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc le programme maintenant c'est les vacances. Exactement, exactement. Et on se retrouve la saison prochaine avec, je l'espère, une saison au moins identique à celle-là, j'espère. En tout cas, je voulais te remercier une nouvelle fois de m'avoir très bien accueilli. J'ai découvert une nouvelle fois un groupe très sympa, avec grand comme plaisir. Toujours. Et on va suivre avec intention les résultats de Villeneuve l'année prochaine en R3. Avec grand plaisir, avec grand plaisir, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode de On est au cœur. On était au cœur aujourd'hui de l'équipe de foot de Villeneuve-la-Garenne qui s'est malheureusement inclinée en finale de Coupe des Hauts-de-Seine. Mais bon, comme on l'a dit, le principal a été assuré un peu plus tôt dans la saison avec ce titre de champion de D1 et cette montée. On va se quitter là-dessus avec, on va pas se cacher, hein, une grosse déception quand même. Hein. C'est dommage de finir la saison là-dessus. J'ai découvert encore une fois un club très sympa. Tous les joueurs, tout le staff ont été très sympas. Ils m'ont accueilli comme si je faisais partie de leur équipe. Et pour ça, je tiens à les remercier. Et je leur souhaite bien évidemment une très bonne saison l'année prochaine en R3. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau contenu sur la chaîne du professeur Néon. Bye.